La 48e cérémonie des Césars aura lieu le 24 février 2023 à l'Olympia de Paris. La liste des nominations est tombée il y a quelques jours, faisant des heureux. Mais pas seulement. Parmi les noms en lice pour le titre de meilleure actrice, on retrouve Virginie Efira pour son rôle dans Revoir Paris, Fanny Ardant pour Les Jeunes Amants, Juliette Binoche pour Wistram, Laure Calamy pour À Plein Temps et Adèle Exarchopoulos pour Rien à Foutre, qui a tout bonnement hurlé de joie en apprenant la nouvelle. Mais où est passée Elsa Silberstein, qui s'est donné tant de mal pour incarner Simone Veil au cinéma, pour Olivier Dahan? Boudée par les Césars 2023, Elsa Silberstein n'a pas souhaité prendre la parole à ce sujet. Elle a toutefois publié, sur les réseaux sociaux, le 4 février 2023, un message qu'elle a reçu de la part d'une spectatrice bouleversée, déçue de ne pas la voir apparaître dans la liste des nominations. Pour le partage, écrit la comédienne. Merci encore pour tous vos messages extraordinaires, si beaux et porteurs d'espoir. Si est-il vraiment bouleversant. Merci à tous, vos mots me remplissent de joie. Carla Bruni, Roselyne Bachelot, Kev Adams, Alex Lutz, Émilie Dequen, Dominique Farrugia lui ont également fait part de leur soutien. Si elle ne remportera pas de César cette année, l'actrice aura, au moins, gagné le cœur du public.